Mais qu'est-ce qui vous prend de foncer comme ça, les losanges? Quoi? Il fait trop gris et trop triste. Il faut se dépêcher de rendre la vie plus gaie avec des fleurs. Bonne idée. Mais qu'est-ce que vous avez prévu de... Ah, d'accord. Vos amis rectangles et ronds deviennent la tige et le cœur de la fleur. Et c'est vous, les losanges, qui allez faire les pétales. Très malin. Bonne idée, les losanges. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'aimez pas les compliments? Qu'est-ce que vous dites? Seuls les losanges font de jolis pétales. Et comme vous n'êtes pas exactement pareil, vous n'êtes pas certain d'être des losanges. Allons, ne vous disputez pas. Rapprochez-vous. On va vérifier que vous êtes bien tous des losanges. Commencez par vous plier. Vos quatre côtés se superposent. Ils sont de même longueur. Vous êtes donc des losanges. Traçons maintenant vos diagonales en reliant les sommets opposés. Que remarque-t-on? Les diagonales des losanges sont perpendiculaires. Et elles ont une autre particularité encore. Laquelle? Toi, tu le sais et tu veux même nous le montrer et l'expliquer en te pliant? Vas-y, mon grand. Oui, tu as raison. Les diagonales des losanges se coupent en leur milieu. Oui, les losanges, vous avez tout compris. Vos diagonales vous partagent en deux parties superposables. Ce sont aussi vos axes de symétrie. Ah, ça fait plaisir! Vous voilà fatigués, mais réconciliés. Trois losanges, trois jolis pétales. Et à propos de pétales... Magnifique! Et en plus, vous avez fait revenir le soleil! Bravo les losanges!